Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau mode de jeu Minecraft inédit, stratégique, avec de la trahison, mais attention cette fois, il n'y aura pas de rôle. Ce n'est donc pas un loup-garou. Mode de jeu totalement inédit qui demande beaucoup de réflexion et de stratégie de jeu. Bienvenue dans Team Swappers UHC. C'était notre toute première game à tous dans le mode de jeu. Et donc, pour commencer, voici les règles, qui vous paraîtront simples, mais en réalité, le jeu est beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air. Tout d'abord, ce jeu se commence en équipe. Par exemple, dans cette partie, en équipe de 3. Le principe de l'UHC est toujours présent, c'est un Battle Royale Minecraft, mais par contre, cela va beaucoup plus loin qu'un simple UHC. Chaque joueur disposera de plusieurs vies. Lorsqu'un joueur meurt, il perd une vie, qu'il pourra récupérer lorsqu'il effectuera un kill. Il lui est donc possible de stacker des vies en avance, pour monter à un maximum de 4. Mais quel est l'intérêt d'avoir plusieurs vies, vous allez me dire? C'est parce que lorsque vous vous faites tuer, vous changez de team. Vous passez alors dans la team de la personne qui vous a tué. Et l'objectif n'est pas d'être le dernier en vie, mais d'être le plus ancien de la dernière team qui sera présente. Effectivement, vu que tout le monde dispose de plusieurs vies, la partie se terminera lorsque tous les joueurs appartiendront à la même équipe. Vous avez alors un classement dans votre équipe, qui signifie votre position. Lorsque la partie débute, vous serez forcément premier, deuxième ou troisième de votre équipe, puisque vous êtes dans cette équipe depuis le début. Mais lorsque vous vous faites tuer, vous allez alors passer dernier dans le classement de votre nouvelle équipe, puisque vous l'avez rejoint en dernier. Et lorsqu'un membre de cette nouvelle équipe qui se trouve plus haut que vous dans le classement va mourir, vous allez gratter une place, et ce petit à petit pour remonter dans le classement des plus anciens. Il faut cependant faire très attention, parce que même si l'on peut changer de team à l'infini, et donc créer des stratégies sur ça, lorsque notre compteur de vie atteint 0, on est définitivement éliminé. Il faut donc savoir établir un juste milieu. Les vainqueurs seront ceux qui auront fini dans le top 5 des plus anciens de la dernière équipe encore en vie à la toute fin de la partie. Ça paraît assez simple comme ça, et ça nous paraissait simple à tous. On était très loin de s'imaginer les stratégies de fou qui allaient être créées ce soir-là. Alors préparez-vous bien, concentrez-vous, parce qu'on est parti pour l'un des modes de jeu les plus stratégiques du monde. Alors les potes, qu'est-ce qu'on va jouer ce soir? On va jouer un mode de jeu qui s'appelle Team Swapper. Donc en fait, pour vous expliquer, ce sont des subs du coup qui m'ont proposé tout simplement leur mode de jeu, qui m'ont envoyé un DM avec leur mode de jeu, et du coup je lis vos DM hein, quand vous m'envoyez des modes de jeu, donc oui ça vous prouve bien ça. Sauf que il m'a envoyé une vidéo, et c'est ça qui m'a marqué, c'est qu'il m'a envoyé une vidéo et pas un document d'explication, et j'ai accroché à son mode de jeu. Donc je lui ai dit bah vas-y pourquoi pas. Qui va gagner? C'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi il y a des prédictions là? Va parier sur moi. Julien, j'ai parié sur toi. Pourquoi on n'a pas notre troisième mate là? Il est où? Est-ce que vous avez tout compris du coup pour le jeu? Absolument. Oui, je propose qu'on reste à 3 jusqu'à la fin. Mais bien sûr, hein, notre objectif c'est de rester à 3. Moi je vous propose un truc, c'est vraiment on essaie d'accumuler un max de gens avec nous, peu importe. Oui, et pour les faire mourir. C'est ça, exactement, on les envoie on au combat. On est les chefs, okay. Et on les envoie au combat, ouais, c'est énorme. Prends-moi juste un peu de pierre et... pour une pioche et... J'ai pas entendu le mot magique, s'il te plaît. Il manque un autre mot magique qui me fera te donner toute ma cobble instant. C'est toi. Il y avait un trou. Il y avait un trou. Regarde, il y avait un trou. Ok les gars, je suis mort, c'est le meilleur début de série de toute l'histoire mon gars. Tranquille, j'ai 2 vies. Si je prends les kills, c'est bon, on s'en fout hein. Falloir qu'on fasse gaffe parce que du coup, vous voyez aussi dans le tab, on peut pas savoir la vie que les autres ont. Comme ça évite le focus sur une seule et même personne. Ça aussi c'est un peu stratégique, tu vois. En vrai, je pense que ce jeu va être compliqué. Je sais pas pourquoi mais je m'attends à un jeu un peu difficile. On va bien voir de toute façon. Narco, je veux savoir à droite t'as quelle position toi? Comment ça? À droite, tu sais, t'as ton classement dans ta team. Troisième. Du coup, c'est pas premier. C'est genre moi je suis premier, Lou elle est deuxième et toi t'es troisième. Pourquoi ça? Bah, je pense que c'est l'ordre de join de team, je pense. Ouais. Ah oui, ouais, bah après, ouais. Du coup, ils sont 4, hein, là faut pas les fight. On est d'accord qu'il a rejoint leur équipe, du coup, là c'est l'équipe. Ouais. Ah, du coup, on peut pas, hein. 4v3, c'est chiant. 4v3, c'est relou, ouais. Ah, non, c'est mort, il est repassé, ok. Ah, place chez ma sharpness. Oh, tous ces mobs là. Ah bah voilà, quelqu'un qui avait plus de vie. Putain, le pauvre il a pas pu beaucoup jouer hein. Moi j'ai pas trouvé les diams, par contre j'ai entendu un bruit donc ça me fait peur. Oh c'est quoi cette team rouge là? Facile ce jeu. Ah bah pour l'instant Daiko, à mon avis tu vas dire ça mais tu vas forcément te faire tuer avant la fin je pense hein. Alors ce que vous voyez dans le tab c'est pas la vie hein. Je vous rappelle c'est le ping pour ceux qui viennent d'arriver. J'espère qu'on va réussir à faire un truc quand même hein. J'espère qu'on va réussir à faire un truc. Comme vous pouvez le voir, le jeu commence très vite. Les rouges n'ont pas attendu longtemps avant de chercher à agrandir leur équipe. Ils ont tué des joueurs et par conséquent agrandi la taille de leur équipe à 8. De notre côté c'est un petit peu plus difficile. Très peu de stuff, très peu de heal au niveau minage et surtout les autres équipes qui commencent à s'agrandir. Et il ne faut surtout pas se faire tuer par l'une de ces grosses équipes. Auquel cas on passerait très très loin dans le classement derrière. Mais il faut néanmoins que je récupère une vie. Il va falloir donc prendre des risques. Putain, il reste Julien tout seul dans sa team. Mais du coup, Julien, il est premier dans sa team, en fait. Là, voilà, regardez, Julien, il était quatrième, du coup, quand il s'est fait tuer, mais reste un plat, regardez en vert. Mais au final, maintenant qu'il est tout seul dans sa team, bah, il est premier, tu vois, là. Là, maintenant, il suffit qu'il arrive à récupérer des gens petit à petit, il peut reconstituer sa team, hein. En vrai, c'est vraiment un handicap, en fait, je suis en train de me dire de partir avec 2 vies, parce que là, imaginez, je me fais tuer, il me restera plus qu'une vie, je serai dans la giga merde, hein. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est moi qui ai le moins de stuff et c'est moi qui ai le moins de vie aussi. Donc là, je suis vraiment dans la sauce, quoi. Faudrait vraiment voir les 4 diams, ce mec, hein. Moi, du coup, je suis le plus facilement droppable. Le problème, c'est que j'ai déjà pas de vie, en fait. J'ai déjà une vie en moi. Moi, je suis prêt pour y aller, là, si tu veux. Ouais. Bah, go y aller, Les perles, c'est. Et voilà, Julien, il va commencer à refaire son truc là, lui. Ouais, tiens, mes bottes. Ouais. Quoi? Oh, ils sont chauds, gros. Et tu vois, regarde, Restump, finalement, il était tout seul dans sa team. Il a reconstruit sa team, hein. Regarde entièrement. Ouais. Et au final, il est remonté full vie. Il est trop bien, sérieux. Allez, go. On y va? Oui, on y va. J'arrive. Attendez. Wow, ça a l'air assez mal, la grosse team là.
Alors si on tombe contre les rouges, on est dans la merde, hein, je te le dis. Ouais. Il faut leur qu'on s'allie avec les autres. Ils ont l'aggro les pigmen ou quoi là? Pourquoi ils sont tous énervés là? Il y a beaucoup de blocs là-bas quand même. Hein. C'est insupportable. Oh, c'est horrible quoi, c'est là. Là, il y a en haut là, la matougrie. Ah, mais ils brûlent. Ils brûlent là, les gens. Bon, laisse ce que tu sais. Laisse ce que tu sais, Narco, laisse-le. Ah oui, non, il y a les rouges foncés, courez. Ouais, mais ils m'en font un. Putain, ils m'en font un, moi. Non, j'en ai un, c'est bon. Il y a tous les rouges? Ouais, bon, on repasse au bord, vas-y, on s'en fout, vas-y, go. Go se casser dans le portail. Hein. Go. Attends, Sherim, t'es avec nous? Ouais, ils sont avec nous, vas-y, go. Je l'ai tué, c'est bon. J'ai pas de gap, les gars. Les deux cœurs là. J'ai pris le kill. Ouais, t'inquiète. Bah, j'ai pas réussi à tuer Sherim, en fait. Je me suis fait casser par la matouille. Moi, j'avais besoin d'un kill parce que j'ai de la vie en moi. Voilà un exemple typique de ce qu'il peut se passer dans ce jeu. En une minute, nous sommes passés dans le Nether et nous avons récupéré deux membres dans notre équipe. Narco a tué la matouille, membre de l'équipe blanche, qui passe quatrième en position dans notre équipe. Et ce même joueur a lui tué Sherim, avec qui il était en train de se battre avant de se faire tuer par Narco. Et donc Sherim lui passe cinquième en gris. Cependant, 5 joueurs, cela n'est clairement pas suffisant pour rivaliser avec une équipe comme la verte. C'est bien, on a récupéré deux joueurs. Ouais, au moins on a récupéré deux joueurs, c'est pas mal, ouais. On n'a pas pris de dégâts, on n'a pas eu de perte. Ça va être l'or. Les gars, pas grand chose, t'avouerais là. Pas grand chose, ouais. Je suis à deux coeurs là, ça va être compliqué. Hein. No heal? À deux coeurs? Ah, je suis à deux coeurs là, ouais, ils m'ont mis super cher. Vous avez des speed par Il est mort PVE lui. Moi j'ai des speed, ouais, si vous voulez. Ah ouais, bah, vas-y, on va jouer contre. Bah, j'en veux bien une parce que je t'avais donné une gap. Ouais. Voilà, tu vois, regarde, c'est comme ça que ça marche. Après, c'est dur votre jeu là. T'as vu, ouais, c'est dur. Ouais, il est chaud ce mode de jeu. Ah bah deux, ouais, putain, c'est ça. La team de Restump, on en parle ou quoi là? Oh, what the fuck? T'as vu, non mais regarde les rouges et la team de Restump. Non mais. Ouais. Non mais what the fuck, hein, qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on ait tué des plus petites teams là, les gars, allez hein. C'est quoi avancer vers zéro, je pense. L'important c'est de rester le plus longtemps dans sa team là. Faut se refaire après. Même si on perd des soldats, on les récupérera un moment. Ah, c'est terrible hein. Oh, les verts, oh là là là. Les verts ils sont 1 milliard hein. Et c'est Restump qui va gagner hein. Ah, bah, c'est normal. Mais comment ils vont faire pour gagner? Bah non, pourquoi? Il est déjà mort une fois Restump. Oui, mais il est premier de sa team, Julien là du coup. Ouais, mais il était le dernier du vert. Ouais, certes, mais si nous on meurt pas et qu'on réussit à clutch les verts. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire c'est qu'actuellement dans sa team il est mieux, donc là faut le laisser. Et le deuxième, je crois que c'est Narco et il y a Freedom aussi, je crois. Et Ilu, je crois. Le truc c'est qu'ils sont 1 million et du coup ils pourront pas être tous ensemble. Genre, je suis sûr qu'il y a moyen d'en choper un. Ah ouais, putain. Ah, ils prennent les kills, ouais, c'est chaud. Mais j'ai l'impression que leur team, la team rouge, il faut vraiment qu'ils essaient de faire un truc pour que eux ils meurent en fait. Je crois ils ont pas compris qu'il faut pas les aider à avoir des kills. Hein. Faut pas les aider à avoir des kills, hein. C'est Daiko et Dorf qui vont gagner là sinon. Ah ouais, il faut qu'ils rentrent dans des autres teams. Bah en fait. Ouais. Ils ont vraiment pas de heal. Hein. Je crois qu'ils ont vraiment pas beaucoup de heal, les rouges. Avant qu'ils arrivent, on les a entendus un peu, je les ai sentis. Ils ont vraiment pas beaucoup de heal. Personne ne file de gap et tout, ils ont rien. Là, il y a quelqu'un en face. Ah bah oui. Blanc. On y va. Ils sont 3, ils sont 3, on y va. Ah bah attends, il y a les rouges. À droite, il y a les rouges. Attends, suis Narco. T'es tout seul, Narco là. Non, mais il devrait venir avec nous. Il y a Damien Frigiel et tout là. Go les gris. Je pense qu'on continue ça. Depuis le début de la game, il y a du ping. Les rouges tombent. Mais en vrai, suivez-moi, ça sert à rien. Attends, non, laisse-moi. Vas-y, je teste. Ah, c'est bon. Mais ça change pas que ce soit toi qui l'aies. Parce que j'ai perdu une vie déjà, j'ai récupéré ma vie. Je suis de retour dans la game. Avec mes 3 vies de retour, je suis à nouveau dans une bonne position. Cependant, autre gros problème maintenant. Les rouges et les verts sont en train d'écraser toute la concurrence. Il faut donc vraiment essayer de récupérer des gens en plus avec nous. La solution pour ça serait donc d'affronter toutes les petites équipes, afin d'agrandir nos effectifs au maximum. Cela pourrait constituer 3 grosses équipes. Les rouges, les verts et nous donc. Une fois qu'on en sera arrivé là, on verra la stratégie ensuite. À droite. Narco, à droite. On se les fait aussi là, allez. On se les fait les oranges là, go les oranges là. Les gars derrière nous, faites gaffe. Allez, les rouges derrière, Go y aller, comme ça moi, oh ça fait une croisée. Oh putain mais Guigui. Ils sont tous sur moi là. Faites gaffe, derrière nous, ils sont beaucoup. Ah putain, je suis Faites gaffe. Putain les gars, j'en ai plein sur moi. Stéphano il va die. Ah putain. Ah, si tu veux faire. GG. Là. Ok, c'est bon. Ok, Shoka il est. Attends, y'a Shoka qui est passé dans l'autre team. Vas-y, je t'aide. Oh bon. Le bordel. Laisse-le moi. Vas-y. Prends-le, boost. Personne moi. Ah bah. Bienvenue. Bienvenue dans la team. Non, bienvenue les potes. Bienvenue les potes dans la team là. Je comprends rien. Tu remets Shoka, là c'est fini, bro. C'est la fin d'El Mundo. Il a perdu. Ah t'es allé du mauvais côté, bro, je crois. Oh, j'ai perdu sur toi, bro. Non, il y a pas de dégâts perles, espérons. Allez. Oh mais il est mort définitivement. T'as des gaps, Guild, t'en as combien? Là j'en ai 12 là. Donne-moi un peu. Ah bah j'en veux bien une si je veux bien. Eh on est bien. Attends, déjà je me régène et je t'en donne une. Venez les gars, je pense qu'il faut qu'on se dépêche. Là le plan parfait c'est de trouver Nanox, Titi et Dalil là. Et de les prendre avec nous. Ah ouais j'avoue. What the fuck. Wow. Oh là là, ça va mourir en boucle là, c'est énorme.
Ah. C'est les verts le danger maintenant. Ah ouais, les verts. Il y a un rouge, il y a un rouge. Tous les verts, il y a tous les verts. Go, prends la fille. On a besoin de toi, ça tombe bien, bro. Voilà, c'est bon. Ok, il y a les verts, les potes, il y a les verts. Les trois qui ont plus qu'une. On fait quoi? On est tous là? Attends, ils sont où les autres là? On est tous là. Attends, tiens, laisse les crever, on est mauvais. Prends ça, Sif. Vas-y. Merci. Pas Sif, te bats pas jusqu'à la mort, laisse les crever. Non, mais je sais pas où les. On fait quoi? Allez, bonne chance, les gars, crever. Allez, hop. C'est qui les premiers de la team ici? On laisse les premiers de la classe se battre. Attends, là-bas. Ah oui, go. Il y a les oranges derrière. 48. Ils sont trop. Ouais, mais bon, t'as pas le choix. En fait, j'ai les speeds. Aïe. Salut, Nutty. Oh non! Vous êtes morts, j'ai les speeds, les gars. Vas-y, nice. Vas-y, viens, Pib. Oui, je suis avec vous. Viens, on retourne avec les autres. Gros, retourne avec les autres plutôt là. Non, mais ça lag trop. Oh, y'en a bus là. J'ai un cœur de heal, je vais jouer. Allez, ça revient. Oh oui, mais regarde, ils sont en train de faire les kills. Faut aller, attends, c'est incroyable. Mec, je passe pas. Attends, je suis 10ème de l'équipe. C'est qui les premiers de l'équipe? Bah c'est vous, non? Mais moi je suis mort déjà. Moi c'est pas dans ce team là que je vais rester à la fin, je pense. Yo tout le monde, les gars. Salut. Tu comptes quoi? Allez, gens. Non, ils ont plus de gens que nous, hein, les. Derrière. Ouais, il me faut absolument des gaps. J'ai tout perdu à cause du poison. Pareil. De toute façon, il y en a qui montent sur leur heal. Genre Frigiel, il dit qu'il n'y a plus de heal, rien. Mais en vrai, les gars, je n'y crois pas, gros. Tu veux pas que je te protège? Non, mais faut avoir des. Tu vas pas le faire. Ah, mais tu vas bien sûr pas le faire, toi tu veux juste. Lui il veut juste se faire tuer par une autre team. Non, on tue des gens, on gagne des gaps et hop, c'est bon. Comment on va perdre des joueurs là, gros? Ça va être incroyable, la game va jamais se finir. Hein. Je crois que la fin, quand la bordure va être finie de réduire, ça va être dans 20 minutes, le plus gros bordel, mon gars. Question, quand on voit écrit la position, c'est la position dans notre team ou en tout? Comment ça? Ah non, ouais, c'est la position. Ah oui, dans ta team, oui, dans ta team. Ouais. Très bien que l'un de nous va mourir avant la fin, c'est impossible. Mais regarde, c'est hors de question. Mais là, vous savez que là, Frigel, il est en train de faire de la propagande au reste de la team là. Mais c'est pour ça que je me suis cassé. Non, mais je vous jure, il est en train de les embrigader là. Oh les gars, vous faites quoi là? Venez là-haut. Arrêtez, c'est la contre-soirée là. La contre-soirée. Y'a du monde. Moi j'ai trouvé que. Oh les couleurs. Mais pourquoi tous les c'est lesquels? On fait quoi là? Y'a des cris, je joue intelligemment quoi. Fais en jouant intelligemment, moi j'ai besoin d'une vie comme ça. On a besoin de vie, gros, en fait. Comment tu veux qu'ils changent de team s'ils ont pas de vie? C'est normal qu'il faut qu'ils en prennent. Si, il faut qu'ils nous tuent. Ensuite, on défonce Guil. Ensuite, on défonce Guil, ils ont dit. Mais vous croyez que vous allez me défoncer? Je vais rien faire. Non, mais non, t'inquiète. Et attends, Guil, t'es combien dans la team là? T'es deux? Non, je suis pas dans les trois premiers, moi. Je suis mort une fois. Ferme-la, Nardco, ferme-la! Oh, mais j'essaie de nous arranger, tu fais ça, t'es con. Si, faut qu'on les laisse. Oui, c'est ça, mais personne tuera Guil là, vous êtes des fous. Personne ne touche là. Surtout ça. Moi, je suis les Guiguiz. Viens là. J'ai pourquoi ça bouge comme ça, l'écran? Prenez pas de risque inutile, hein. Ouais, mais... Oh, attention derrière vous, hein, y'a des verres derrière vous, attention, vous courez bien. Ah là, les gris. Il est passé devant d'un bus, putain. Dali, il a tué une Ninjax, ok. Oh, fuck this shit. T'es pas dans la merde, mon gars, là. Oh putain, oh la vache. Vas-y, retourne-toi. Oh non, yes, c'est pas une gars. Ok, c'est bon, comme ça, c'est bon, parfait, comme ça Frigel peut changer de team et comme ça il nous arrête de nous saouler. Bordel, mais on peut faire un fight, non? Non, pas de gap, c'est Frigel qui a récupéré. Mais oui, mais vous les faites parce que vous voulez mourir. Mais de toute façon, en fait, mourir par eux, vous savez les gars, que mourir par eux, c'est encore plus bas que nous, hein, donc que vous voulez les fight, faut les tuer. Mourir chez eux, vous passez dernier en fait, genre de leur team. C'est pas smart de vous laisser mourir par eux. Si vous voulez gagner, faut se faire tuer par une team plus petite ou quoi en fait. Vous êtes mieux placé chez nous que chez eux. C'est de la propagande, c'est UHC. Mais c'est pas la propagande, Frigel, il vous a fait la même chose. Donnez vos arguments pour changer de team. Non, mais j'ai aucun argument pour aller vers les verts, t'inquiète. Et bah voilà, y'a que Frigel qui veut y aller, bah qu'il y aille. Il est raté. Tu te souviens ce que je te donnais l'eau en début de game ou quoi? Oui. Ok, garde, hein. Par à gauche. Ah, mais viens à gauche. Oui, j'ai compris. On me lance des flèches là. Non, ils ont plus d'utilité à aller tuer les autres. Ça sert à rien qu'ils nous tuent nous en fait. Moi j'ai une question. Pourquoi ils viennent nous tuer nous? C'est complètement débile. On est que deux. Moi j'ai plus à manger. Mais vous savez que c'est complètement débile de venir nous tuer nous en fait. En vrai si, ça va être marrant parce que ça va changer la game. Je sais pas qui sera les plus anciens dans votre équipe. Mais après c'est pas pour ça que j'ai fait ça. Mais du coup en vrai c'est intéressant. Ouais, mais y'a des verres là. Les gars partaient tous. Putain. J'ai pas envie d'entendre chez les verres. Il a perdu. Ouais, il a perdu. De toute façon, on va mourir, je te le dis, il y a aucune chance qu'on s'en sorte là, ils sont venus tous sur nous là. Je te le dis, il y a aucune chance qu'on s'en sorte. Ouais, bah je vais mourir moi. Ah bah ouais. 17ème. Je vais les faire courir, je te le dis, je vais les faire courir. Eh, ils vont pas mourir, c'est bon, ils sont mis. Je vais vous faire courir, les gars, parce que ça sert à rien que vous me tuez. Bah, ça sert à rien pour toi, mais pour nous, oui. Bah, pourquoi ça te sert à toi? T'es combien toi? Je suis deuxième. Non, t'es pas du tout deuxième, bro. Mais du coup, ça sert pas pour toi, mais ça sert pas pour les autres, c'est ça que je veux dire. Pour toi, oui, c'est ça vrai, sert. Ça. Mais les autres, ça leur sert à rien de faire ça. Vous allez jamais m'attraper, je vous le dis. T'as combien de vie, lui, toi? J'en ai 4. Mais ils sont cons, tes mates, de te laisser devant comme ça, alors. Vous avez pas compris le principe du jeu, alors. Normal que vous me coursiez, vous êtes les trois premiers, vous. Normal. Eh ouais.
Tu m'étonnes. Ouais, allez, à plus, mec. Allez, tape-moi, bro. Merci. Y'a pas de soucis, mec. Ouais, j'avoue. Bon, après, ça va. Les gars, c'est le moment. Si vous voulez les fumer, ils sont que 3. Si vous voulez fumer les verts, c'est le moment. Ils sont que 3, les gars. Bon, les 3 aussi. Justement, ils sont là. Ils sont juste là. Les verts, ils sont que 3. C'est les 3 premiers qui me suivent, si vous voulez. Ils sont juste là. Ils lui et tout. Juste là. Je suis dernier là. Laisse tomber. Viens avec nous, on est que 3. Non, ça a rien. Je sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir, mais par contre tous les verts qui nous ont du coup qui sont partis sur les autres. En vrai c'est con d'avoir fait ça parce qu'ils auraient dû justement laisser les trois aller sur. C'est con d'avoir fait comme ça. Moi c'est comme ça que je vois la chose quoi. Oh ça va jamais se finir en vrai. Ça va jamais se terminer. Faut que j'arrive à la retrouver là avec la flèche là, mais il court. C'est en train de chase des gens je pense. Ouais bro. Bah je suis mort en fait moi très clairement là. Bah je me suis fait chase par les trois premiers des verts. Mais les verts ils ont trop mal joué de laisser partir les trois sur nous. Mais non mais là ils sont en train d'en chase 3 en fait. On a tué un déjà et on est bien là. Il faut tuer Restump, Illu et Narco, c'est eux les trois premiers. Narco, ouais. Tu nous as abandonné bro hein. Oh mec, mais attends. Non mais tu sais que je me suis fait chase par des verts. Bah nous aussi il y a eu les trois, bah Restump, Illu et Narco qui sont venus sur nous. En fait il faut tuer Restump et tout, mais en fait le problème c'est que la team de verte les laisse juste à 3 et du coup ils font un carnage en fait. Non, moi c'est my bad, c'est elle est morte. Oh, la vie. Vas-y, vas-y. Ah, yes. C'est bon, j'ai eu. Oh, j'ai récupéré une vie trop bien. Viens récupérer les gaps là. J'en veux bien un peu s'il te plaît. J'ai une gap. J'ai une gap moi s'il te plaît. Y'en a qui mytho là. Y'en a qui mort les gars. Ah, y'en a qui mort là. C'est Siphano, Marmotte ou. Ah non, je te jure que non, tu peux aller dans mon stream, j'en ai qu'un. J'allume ton stream. Vas-y, allume mon stream, vas-y, tu fais des gaps là. Ouais, bah oui, j'ai une gap. J'ai une gap aussi. Merci. Merci, ils sont juste au moins. Il gap en plus, je dis pas non. Chérim, amène-nous à Restump, on tue Restump, laissez-nous tuer Restump, ça fera changer la game chez vous. Surtout qu'en plus, on se met bien si on fight pas de Chérim, on peut se mettre bien là, du coup, on récupère des gaps en plus, on peut farmer les gaps comme ça là. Et on te laisse la vie de quelqu'un après. Oh non, je la vois arriver cette technique. Il me connaît trop bien, ce fan. Attends, tu crois quoi? Stop, les gars, y'a Nems. Y'a les verts. Ouais. Régel, il va encore mourir. À droite, j'ai plus d'arc. Go se casser, les mecs. Ouais, mais en vrai, c'est bien de les laisser fight entre eux parce qu'ils vont perdre du heal là. Bah oui, c'est pas mal. Vous savez que ici, du coup, nous 6 faut qu'on bosse ensemble parce qu'à tout moment, bah en fait, y'en a un nous qui meurt et le 6ème il passe 5ème quoi. Donc, si on reste ensemble comme ça et qu'on récupère des gens, ça peut être tout bénef en fait. Pour, bah oui. Mais les gars, on va pas vous tuer, on a aucun intérêt à vous tuer, on gagne tous ici comme vous. On a aucun intérêt à vous buter avant d'avoir buté les verts dans tous les cas, faut qu'on joue ensemble contre les verts les mecs. Faut qu'on tue les verts. Ouais globalement là c'est tout le monde contre les verts. Attends, vous êtes 6? Vous êtes 6? Tuez-moi. Non mais vu qu'ils sont 6, moi c'est worse pour moi. J'ai 3 vies, j'en ai un à foutre. Là, les gars, y'a Nimbus là. Nimbus, viens avec nous, c'est plus worse pour toi. Ouais, je pense aussi, mais c'est pas vous que je cherche. C'est peut-être moi que tu cherches. On te laisse un kill si tu veux Nimbus après. Non, laissez-le moi Nimbus, laissez-le le venir avec moi. Ah Nimbus, là, dans tous les cas, tu vas venir avec nous, gros. À part si tu veux ruiner ta game. Juste pas me faire tuer par le orange. Ouais, mais regarde. Voilà, c'est bon, Narco, t'as eu que t'as eu. T'as combien? J'ai 5 gaps là. J'en veux bien une, s'il te plaît. Si, tuez-moi. Oui, bah bien sûr, pas de problème. Je vous en supplie, tuez-moi. Waouh, gros combo là. Bien joué. Elles sont les gaps? Oh non, c'est toi qui les as eu. En vrai, c'est trop chaud les teamfights. Ouais, de ouf. Quand t'es top 3, gros, c'est. Attends, mais mec, y'a 3 grosses teams, c'est l'enfer, regarde. Hein, Pibé, mort, en fait, ça y est. En fait, essaie de tuer en priorité les gens qui ont moins de vie ou alors qui sont dans le top 3, quoi. Mais toi, derrière, tu peux te faire focus. Faut recruter l'autre. Guy, t'es placé combien? Y'a les noirs qui sont poches. Mais sérieux là? C'est pas très fair play. Là, sur moi les gars. Si, les gars. Vert, Ed, Restump, Illu et Narco là. Je crois qu'ils les laissent aller devant en fait. Mais ils sont tous résignés à les laisser gagner en fait. Viens bro. Ah, regarde, c'est pas mal ça. Aïe, t'as droit. Je suis deuxième. Non! Les gars, contournez-vous, venez. Tout derrière. Les gars, derrière nous, il y a à peu près tout le monde, je pense. Go, sur le. GG. Derrière là, derrière, Narco, vas-y. Faut qu'on les fume, c'est eux les premiers, faut qu'on les fume, allez. On les tue, si on tue Illu, Freedom et Narco, c'est bon là. Et les autres bons, c'est parfait, c'est eux qu'il faut tuer, voilà, parfait. Mais on tue. Par contre, les autres verts, vous êtes cons de les aider, genre vraiment, vous allez remonter en fait. Freedom, Brock. Non, bien joué. Eh, c'est pour ça que je suis low en fait, c'est parce que j'ai Brock. Dali, t'as combien de gap? J'ai plus de gap là. Dali. Je suis à zéro. T'as Julien derrière. Ouais, vas-y. Ferme Julien. C'est fini. Si on le tue, on est trop bien. Oui, c'est bon. Mais tu vois pas d'arme. Et go, viens. Non mais gros, le problème c'est qu'il y a Nems qui va l'aider aussi. Non, non c'est bon. T'as des gaps? J'en ai quelques-unes. Ah bah vas-y, partage vite. Attends. Nous le faut lui. T'as eu les gaps, gros? Il me faut une vie, absolument, s'il vous plaît. Il me faut une vie. Absolument. Il me faut une vie. Lolo, tu kiki. Il me faut une vie. Lolo, va tuer. T'as combien de gaps? J'en ai récupéré. Rejoignez les verts, les gars. Non mais tu mens pas, regarde la team. Non mais regarde la team. Non, tu reviens gros. Bon vas-y au pire. Ouais vas-y bon. Vamos hein. Vamos. On convertit les vies. Avec Nimbus.
J'ai pas eu les gaps par contre, hein. Oh. Bien joué. Ah ouais, les gaps, pas non plus. Ah, mais oui, mais ok, d'accord. Nalil, c'est toi qui as eu les gaps. Là, normalement, les noirs, ils sont censés nous aider là. Enfin, nous laisser. Enfin, les noirs qui sont pas pro. Putain, casse les couilles. Dégage, casse les couilles. On est un peu cher. Hein. Je crois que je suis le seul à ne pas avoir changé d'équipe depuis le tout début de la partie, je crois. T'as pas changé d'équipe? Je suis le tout dernier. Oh, les gars, ils sont juste là en fait. Hein. Comme je l'avais prédit, il y a donc bien trois grosses équipes à la fin. Les verts, les noirs qui ont tué les anciens rouges qui dominaient la partie, et nous. Le souci, c'est qu'on était bien remontés dans la partie, et que d'un coup, tout s'est écroulé. On a perdu énormément de membres, je ne sais comment, jusqu'à se retrouver à 3. Et la partie dans son état actuel n'avance pas. Ça se tue entre teams, ça se laisse tuer pour re-switcher d'équipe, la partie va donc durer encore très longtemps. Et ce qui risque de me faire défaut, c'est le nombre de pommes d'or. J'ai donc eu une petite idée de stratégie. J'hésite à transformer mes vies en gap, moi. Vous allez me faire buter par l'eau, et vous me rebutez derrière. Et ça fait 6 gaps. Au pire, tu te suicides juste, non? Bah non, parce que si après vous me retuez, je reviens du coup, je serai toujours 5ème, donc je suis toujours dans la win, et on a 6 gaps en plus. Une stratégie assez intéressante dans le but de convertir mon nombre de vies en plus en pommes d'or. Seulement, je n'aurai pas du tout le temps de la mettre en place. Car à peine sorti pour essayer de mettre en place cette stratégie. Ils sont morts par les. J'en ai deux là. Noir. Laissez-vous tuer, je vous redonne les coordonnées, les gars. Laissez-vous tuer, je vous redonne l'écho. Attends. Mais non, mais nous on est. Faites, mais si, mais si non, certains non. sont derrière, au pire, on leur redonne l'écho, au pire. Moi, ça me va très bien, hein. Je suis 5ème, donc ça me va très bien. Ouais, voilà, mais c'est ça que je veux dire. Mais si jamais vous êtes mort, je vous redonne l'écho, vous revenez. Si jamais, okay. Et on refait notre technique, vous venez, vous me tuez, et on se démerde. Okay, d'accord, il faut qu'il y en ait un. Okay. Tu veux qu'on vienne ici, quoi. Ok. Parce que, en fait, si se passe ça. Imaginons par exemple qu'il y en ait un de vous deux qui se fasse avoir. Celui ouais. qui s'est fait avoir revient vers nous. Il me tue, je le. Dadou, après tu me tues par exemple, je le tue, etc. Et on s'arrange pour réavoir Mass Gap et, okay, tout, et refaire revenir des gens, tu vois ce que je veux dire. Par contre, c'est juste niveau de, du stuff, hein. Je sais pas comment vous êtes, mais. Bah, quand on tuait des gens, définitivement, je récupérais tout le stuff. J'ai encore un P2, c'est ça, un P2. Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'ai plus de vie. Ah oui, mais j'ai besoin de gap. Oh non. Malheureusement, c'est la. Ah, par contre, j'ai pas eu les gaps. Vous avez une pomme rouge? Ouais, c'est bon. On y sera ouais, toujours à 5h du matin. Non, regarde, ça descend. Hein. Moi, j'ai perdu une place, je suis pas dans la liste actuellement, mais je pense qu'il y en a qui va mourir. Je sens qu'il y en a qui va mourir. T'es combien de tiens, Fatou? Je suis 2. Je pensais que j'étais dans les. Ah ouais, le problème, c'est que noir et gris, enfin, j'ai confondu les couleurs. Quoi? C'est quoi cette merde? Ah, mais y'a tes spells en fait. Là y'en a d'autres dans l'eau là. Non, mais c'est pas l'heure de me tuer, je suis pas dans la. Si, je... Non, non. Mais franchement, c'est worse, hein. Venez me chercher, venez me chercher. Il dig down. Venez me chercher là. Il va au frère, bien, Guillaume. Moi je suis pas bien. T'as du heal à Adèle ou pas? Attends, il va vraiment dig down, je suis en bas. T'as du heal à Adèle ou pas? Ah, les gars, je vous dis qu'ils arrivent. Ah, y'a un noir derrière. Vous voulez bouger en vrai? Il y avait un noir derrière. Mais je suis pas dans le top 3, je suis pas dans le top 5. Tu vas y passer, je pense. Ils mentent tous, hein. Bah j'espère, ouais. Il y a un trap, il est là sur moi. J'arrive. C'est bon, t'es bien. J'ai un cœur. Bien, merci. GG. C'est marmotte. Mais oui, mais faut qu'il meure, faut qu'on arrive. Je suis là. Wesh. Putain, il y avait un bloc au-dessus de moi, sérieux. C'est moi, gros. J'ai failli l'avoir, je suis dégoûté, gros. Et moi aussi, mais je l'ai mis à un cœur en fait. Je sais, mais j'étais juste au-dessus, mec. Et je l'attendais, j'allais lui mettre le coup, mais il s'était gagné. Ah non, je l'avais sinon. Viens. Je suis 3ème, moi. Les gars, vous avez des vies à convertir ou pas? Mais t'as pas assez. Moi, j'ai 2 vies, tuez-moi. Par contre, les gars, faut que je Damien, si je meurs. Ouais, bah, tue Dalil. Dadou, tue-moi. Pourquoi tue-toi? Ah non, oui, Dalil, tue-moi une fois. Pourquoi c'est pas worse? Ça sert à rien. Je convertis mes gars. Attendez, je peux pas tuer Dalil, s'il vous plaît. Tue-moi, vas-y. Et là, vas-y, retue-moi, Nanox, vas-y. Attends, non, et moi je retue Dalil. Moi je dois tuer Dalil. Attendez, moi je dois. Non, mais on a pas le temps, on a pas le temps. Tue-moi aussi. Non, mais non, j'ai besoin de récupérer le kill. Non, mais les mecs, vous avez pas compris. Oui, mais fallait pas le tuer. Tue-moi. C'est pas de gap. Laisse-moi. Mais gros, j'ai perdu tout plein de vie pour convertir les gaps. Mais j'ai plein de gaps, par contre, j'ai plein de gaps, je suis temps passé. On va bien entre. Faut que je récupère. Moi, il fallait juste une Tiens, en fait. Prenez des gaps. Moi, il faut juste des kills là, j'ai plus de vie en fait. Non, ouais, tu joues bien, tu fais exprès de prendre les kills, hein, tu joues bien. Non, vraiment pas. Ouais, c'est le stuff quoi, c'est pourri le stuff. Narco, tu t'attaques à ta province. Ah, mais ils sont déjà là. Mais il y avait que Restin pour. Ah, j'ai plus de potes, c'est pas. Mais je pensais pas que la game allait durer 50 ans. Faut que tu mettes Dalil, hein. On peut gagner, hein. Ok. Remontez. Tu m'as récupéré une vie. Je sais, mais il fallait attendre qu'il parte, gros.
Je sais, gros, j'avais prévu, bien sûr, j'ai prévu. Ah, j'ai les... Tiens, j'ai les gars. C'est pour ça que je me suis mis en dessous, je savais que t'allais faire tuer. Coucou. T'as mon dire. Il y a des locks. Ok. Ah, eux, faut que je dois vraiment tuer. Je suis tout seul, vas-y. Non, mais il y a les autres avec toi. Oh, les gars, je suis seul, putain. Ah, il est tout seul. Quoi? J'ai crash, putain. Je peux. Les gars, vous êtes des dieux. Si on est trois, on peut convertir nos gaps à l'infini. Il me reste deux, mais je sais pas si c'est le bon bail quoi. Ouais, je pense qu'il faut que je te. Moi aussi j'en ai deux aussi. T'es quoi? Bon. Et remets ton stuff. Oh là là, c'est terrible. Les gars, c'est The Guild en fait. Les gars, c'est force de Guild qui pense à là. Qu'est-ce que tu racontes, wesh? Y'a quelqu'un qui a plus de deux combats ou quoi? Ah, faudrait peut-être pas me tuer, je pense. Ah, mais non, tu mens pas. On est tous ensemble. Attends, on est tous dans l'équipe ou pas? On est tous ensemble sur Freedom. Pour bah, le moment. Go, les gars, en fait, go jouer entre nous. Pour l'instant, les gars, si on les tue tous, pour l'instant, on a gagné. On a gagné. 5 ici, on a gagné. Je voulais pas vous rush en fait, mais bon, en fait, attends. T'en as marre quoi? Derrière moi. Ouais, en fait, ça bouge pas. Oh le. Ouais. Moi j'ai pas eu le temps. Bien au chaud là. S'il vous plaît, laissez-moi. Vas-y, viens. Vas-y, moi aussi, les vas-y, bah, n'importe qui prend, vas-y. Vas-y hein. Prends-le. Bah, prends-le pas, Freedom. Non, c'est Nanox. Nanox. Non, c'est cool. Il nous fallait le kill, wesh. Je veux prendre toute l'équipe pour gagner. Ah bah ouais. T'abuses, frère. En même temps, il joue bien. Hein. Les gars, vous suivez? Ouais. Je suis. Vas-y, là. Il va brasser mon flingue. Ah non, c'est toi. Adèle, viens. Faut pas que ce soit Titi. Non, laisse-moi. Mais il faut pas que ce soit. Oh non, ah, je peux plus courir. En fait, je suis Titi. Faut pas que ce soit Titi qui le. Nanox, le top 5, si on joue ensemble, on a gagné là. Le top 5. Mais oui, je sais, mais il faut pas que les entrées des kills. Faut pas qu'on les fume. Là, on les fume direct là. Le top 5, il faut qu'on les fume. Aïe. La team de top qui a gagné quoi. GG. Nice, ça c'est nice. Plus Daiko, tu l'as eu, c'est bon. Daiko, tu l'as eu, c'est nickel. Bah maintenant, si on joue ensemble, les gars, c'est gagné. Tapez-moi là. C'est bon, c'est le pire truc. Encore! Yes, c'est bon, allez! Nice, go, let's go! Continue! Moi je suis handicapé, moi aussi! Là, ça c'était drôle, je un regarde peu. Pour mon clan, ça va pas les attends, là, pas mon casque il a disparu encore, c'est un bug ça! Laissez pas. Je sais, mais go les handicapés, on leur met des soudures, on les fait chier! Oh yeah! Une voiture. Nice! Notre plan se déroule à merveille. L'étape finale pour nous, c'est de tuer tous les membres des autres équipes, tout en prenant soin de ne laisser aucun kill aux nouveaux qui nous rejoignent. Car si on réussit à tous les laisser à une vie, ils ne pourront pas se laisser tuer intentionnellement pour reswitcher d'équipe. Notre toute dernière mission est donc de les tuer le plus rapidement possible, en essayant de tout contrôler, de tout voir, car il est évident que certains de notre équipe vont chercher à nous échapper. Je suis moi actuellement deuxième dans le classement de ma team. Si je résiste donc jusqu'à la fin, je remporterai la partie avec les 4 autres du top 5 de ma team. Genre vraiment, on est ensemble. Ah, non, on est pas ensemble, là. Moi je vais faire comme ça. Bah, bah oui, mais dans tous les cas, on est obligé de vous tuer pour finir là. Non, mais, non mais vous oui. C'est vrai. Narco, ils sont en train de farmer les. Je sais pas ce qui se passe, frère, mais on ça tape là. Là. On les prend. Go. Sont tu Narco, Narco il a plus de vie. Hein. Putain, merde. Non, mais non, vas-y, prends, je suis joué. Let's go, ça Guigui, bien joué. Vas-y, déjà, y'a plus que deux teams là, c'est bon. Comment je peux les handicaper là? C'est pas plus. C'est fini, bro. Survie, Gum, survie. La team grise qui va gagner là. Putain, c'est tellement tendu, mais je peux Y'a bah y'a Tizi qui est repassé de l'autre côté hein. Narco, je veux pas, je Narco te tente. Oh là là, ils sont en train de switcher, ils sont en train de switcher. Bah je laisse les kills, ils calculent ensemble. Regarde là en face les mecs, venez. Ah mais moi je réfléchis pas là depuis tout à l'heure. Ils sont là-haut, venez courir. Ils ont plus de vie eux là-haut. Allez mec, je suis avec vous. Vas-y, y'a des gars qui vont pas taper, ou alors ils réfléchissent pas, mais c'est bon. Moi je suis bien, je suis fine. Putain mais. Derrière Tizi. Tizi pas de vie hein. Allez Fatou est mort, c'est bon, moins 1. Il a un HP, C'est bon. Allez. Moi y'a personne. Je peux pas bouger. Je te casse le bloc. Ça va bien. C'est bon. Ah bah ça y est, tu peux bouger là. Tu peux bouger, t'es mort. Tu peux bouger là mon gars, tu peux. C'est bon, allez, il en reste que deux là, ils sont derrière, allez. Go les suivre, voilà exactement, comme ça on se les trouve. Go les suivre, il faut qu'on ait les kills à eux. Faut qu'on ait les kills à eux. Il est en dessous. Bon allez, on y va tous en même temps. Allez, il en manque plus qu'un et c'est bon. Mais je sais pas où il est. Oh, ça aurait été hardcore. Dans tous les cas, c'est fini. Dans tous les cas, ils peuvent plus. Dans tous les cas, c'est terminé là. Ouais, sauf si tu tues quelqu'un, mais. Mais oui, s'il y en a un qui se suicide, on va dire. On arrive. Oh là là, bro. Je vous amène Guil là, les gars. Attends, y'a Guil avec le. Je ne bouge pas. Là, c'est en dessous. En dessous, les mecs. Descendez. Venez, creusez, les mecs, creusez. C'est là, c'est en dessous. C'est ici, les mecs, c'est ici, c'est en dessous. Venez.
Non, non. Oh, mais ils abusent. Vas-y, vas-y, sautez, 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 on y va tous, on s'en bat les couilles, les gars, go, go. Faut y aller, les mecs, hein. Allez, là. Enlève, enlève cette putain d'eau, là. Nice. La partie où il est élu. Ah bah, il est élu, ok. Et il est bloqué par la bordure. Allez, c'est bon, il est mort. Oh, les vieux mecs, là. Sérieux. Le dernier, il est où? Il est où, le dernier? Je sais pas, il reste encore resté. Oh non, il va faire la merde. Ça va durer. Attendez, ma mère, je reste avec vous. Les gars, venez sur moi, il est sur moi là. Ok, nickel, vas-y go. Vas-y, on y va tous, on sent pas les couilles, c'est bon. Il est pas loin, il est vraiment pas loin. C'est toi qui as gap là? Ouais, c'est. Ta gueule, Titi! C'est bon, je l'ai, c'est bon. Vas-y! Allez, GG les gars. Allez, GG! Enfin, c'est fini là, merci! C'est fini, enfin! Cette course poursuite à la fin. Oh là là! Dans le fond, les gars! C'était long! Ah oh, putain, on aurait mis 10 ans et demi! Wouah, mec! Oh, incroyable le nombre de kills! Et voilà, enfin! Après plus de 3 heures de jeu, nous remportons cette partie dans ma team originale, sans vraiment avoir changé d'équipe finalement. Étant top 2, je fais partie des plus anciens de mon équipe, et par conséquent, je suis victorieux, comme les 4 autres du top 5. Alors, déjà, si vous n'avez rien compris, ne vous inquiétez pas, nous non plus. Il y a eu énormément de stratégies créées pour un mode de jeu aussi simple: la conversion des vies en plus en pomme d'or, le fait de s'allier avec d'autres équipes pour changer d'équipe et arriver dans un classement plus bas, le fait de calculer en avance que certains vont mourir pour descendre dans le classement plus tard. Bref, énormément de stratégies qui étaient très difficiles à retranscrire en vidéo, car même moi j'ai eu du mal à suivre parfois. J'essayais un maximum de me concentrer sur ma survie avant tout, histoire de toujours rester en tête de liste, et je laissais faire le travail à mes équipiers. Cette UHC m'a énormément fait penser à un FDP UHC, la stratégie est tout autant présente je trouve, puisque tout est autorisé, et encore une fois donc, ça s'est très bien passé pour nous, comme souvent dans ce genre de partie. J'espère que cette vidéo et ce mode de jeu vous aura plu malgré sa complexité, une vidéo qui m'aura pris énormément de temps à réaliser au vu de la longueur de la partie, et en contrepartie, le seul truc que je vous demanderai, c'est de vous abonner si vous avez aimé. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style où on teste d'autres modes de jeu, n'hésitez pas à exploser cette barre de like et me le dire en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous les potes, et encore désolé pour l'absence de vidéos ces derniers jours, t'inquiète, il y a que des gros projets qui arrivent là.